va sans respect en fait. Oh, oh. Ça fait approximativement 30 ans que nous cherchons un appart. Dadjou. J'ai beaucoup trop hâte pour de ce soir-là. Je crois que j'ai prédit ça depuis au moins 40 milliards d'années. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que j'ai pas dit ça depuis au moins 40 milliards d'années. Vous vous foutez de ma gueule, totalement à côté, tout va très bien. On est lundi, il est 8h30 du matin. Putain. Je crois qu'il y en a un qui est pas content de s'être levé là. Il est 9h déjà, il est pas 8h30, il est 9h. Et on s'est levé ce matin parce qu'on va visiter un appartement. Oui, ça fait approximativement 30 ans que nous cherchons un appart. Ouais, tu devrais te mettre sur la gauche quand même, hein. Ça avance un peu mieux. Tu prends comme si t'allais vers la gauche. Et donc du coup on va visiter un appart, c'est génial. On a eu le propriétaire hier, enfin moi je l'ai eu par message hier genre à minuit et demi. Mec trop déter. Donc on va voir ce que ça donne et voilà, parce que je vous avoue que là on nous en fait de toutes les couleurs. Là c'est n'importe quoi que trouver. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a rentré dedans. Ouais. Je te jure. En live. Je te jure, il lui a rentré dedans. Sur le camion de poubelle là. Ouais. Oh, il m'a niqué devant sa voiture. Non, mais mec, sort de ta voiture elle est toute niquée. Regarde. Oh là là. Il va partir ou quoi? Enfin bref, ça commence bien pour certaines personnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, trouver un appart c'est pire que de trouver un remède pour le cancer, hein, je crois. Bon, pendant un moment, ça devient compliqué. Non, plus sérieusement, hier on m'a sorti le truc le plus drôle de l'année. On m'a demandé, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Un titre de séjour? D'autorisation de séjour en France, parce que ma carte d'identité est portugaise. Je suis née en France, accessoirement, et puis de toute façon l'Europe, tout ça, je passe par là quelqu'un. Mais ouais, j'étais quand même assez outrée, je me suis dit mais ok, très bien. Et tu sais, j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a dit comme quoi elle était en couple, et qu'au bout d'un moment elle disait même plus qu'elle était en couple, en fait elle disait qu'elle était célibataire parce que son copain était maghrébin. Et qu'à chaque fois ça passait pas. Et comme par hasard, je suis... Ouais, ça c'est ma vie ça. Je suis trop petite. Le soleil il veut pas me cacher. T'as rigolé, c'est pas marrant. Putain de merde, j'en ai marre. Bref. Donc bon, là on est quand même sur du racisme, de la discrimination, ce que vous voulez. Hein. C'est quand même très très chaud. Oh bon, bref les gars, sur ça, on va aller visiter l'appart. Je vous retrouverai après. Et si je filme toute la journée, ce qui normalement est parti pour, parce que putain ce soleil là, ça c'est pas possible. Sachez que je fais quelque chose de très très cool ce soir. C'est soir aimé. Moi aussi. Non, toi tu fais rien du tout. Bref, à tout à l'heure. C'est ça ton problème. On peut pas être libre en fait. On se retrouve encore dans la voiture, il a changé de son parce qu'il écoutait Daddy Yankee. Si, c'est vrai. T'es un petit gâche-tout toi. Non, absolument pas. Si, menteur. Non. Bon, on a été visiter l'appartement. Qu'est-ce qu'on a pensé, bébé? Énervé. Ouais, vraiment lourd, mais bref. On va voir, vous savez quoi? Moi je dis plus rien de toute façon parce que j'arrive à un stade où ça ne sert à rien de parler. Donc on verra. Les propriétaires donnent sa réponse vendredi. Donc elle vienne que pour heure, voir ce que j'ai à dire. Et là. Ça fait quand même 15 minutes que le mec il gonfle ses pneus. Hein. C'est un putain de vélo. J'avoue qu'il a mis du temps à gonfler ses deux vélos. Et là on attend parce qu'on ne peut pas les gonfler, les pneus. Et Miguel a rien trouvé de mieux que de vouloir les gonfler tout de suite là maintenant. Pourquoi je suis dégoûtée? Parce qu'il avait pas l'air emballé. Bon, voilà. Il n'y a pas eu trop de feeling, etc. Et généralement avec les propriétaires, surtout avec mon dossier, le fait d'être auto-entrepreneur, bah ça aide. Et là c'est vrai que bon, pas des masses. Tu as dit c'est des portugais, donc peut-être que ça peut aider. On verra. Le patriotisme, tu connais. Enfin bref, les gars, là on va du coup gonfler les pneus, rentrer à la maison. Moi je vais bosser un peu, ensuite on va se préparer, ensuite on va repartir. Parce que Miguel va bosser aujourd'hui et moi pareil, j'ai bossé cet après-midi. Il est outré, la meuf veut pas qu'il aille gonfler ses pneus. Je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi ce petit homme. Bref les gars, je vous retrouverai tout à l'heure. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Là il est 14h30. Je suis rentrée à la maison me préparer parce que cet après-midi je dois faire des photos.
Et j'ai un événement ce soir, donc il fallait que je vienne récupérer aussi une tenue. Je crois que j'avais mis mon t-shirt à l'envers. Du coup, là, je vais aller rejoindre Miguel qui est allé bosser. Je vais aller le rejoindre dans Paris. J'ai beaucoup trop hâte pour le truc de ce soir. Là, j'espère vraiment, je croise les doigts, que je pourrai filmer. Donc voilà, je vais y aller, les gars. Il fait pas du tout beau aujourd'hui, je suis dégoûtée. J'espère que ça va aller pour les photos. Mais c'est pour une collab assez cool. Vous verrez ça sur Instagram de toute façon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste vous tenir au courant pour qu'il y ait une suite logique dans cette journée. Mais en soi, rien de foufou pour l'instant. Et voilà, je vais partir, je vais aller chercher Miguel. Et donc ça, c'est les deux sacs que j'ai dû préparer pour ce soir et pour les tenues que je dois ajouter tout à l'heure. Sachant que j'en ai une sur moi. Vie ma vie, hein. Vie ma vie, je dois me balader avec tout ça. Heureusement que je suis en voiture là, parce que par contre, en transport, j'aurais un peu le seum. C'est un peu les coulisses des photos Insta. Après, je le fais pas tout le temps. C'est vraiment parce que là, ça m'arrange. D'habitude, je shoot vraiment sur le jour même où je porte la tenue et voilà. Là, j'anticipe un peu, mais c'est surtout qu'il me fallait une tenue pour ce soir. Donc j'ai tout mis dans des petits tote bags. Lego. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis plus habillée de la même façon parce que nous avons été shootés avec ce photographe de renom qui s'appelle Miguel, bien, qui avait du très bon travail. Quand tu dis comme ça. Toujours plus. Et là, je suis en train de manger des sushis et je suis en grosse concentration pour pas renverser la sauce soja sucrée là sur moi. Sur mes. Non mais le mec préférait que je me tâche moi. Totalement. Plutôt que de tâcher les sièges. Totalement. Mais moi, j'aurais bien le marre de me tâcher. Enfin bref, j'ai pris des sushis au thon avec du concombre. C'est les meilleurs. Et après, on va se quitter pour pas longtemps, on le retrouve après. Mais ça va, c'est un respect en fait. Excuse. Non mais vous voyez comment ils sont les mecs en 2018. Du coup après moi à 18h j'ai rendez-vous, j'ai un event et Miguel va aller faire sa vie. Il s'en va les couilles. J'ai une vie, ouais, j'ai aussi une vie. T'as une vie apparemment? Ouais, je vais aller voir des copines. Tu vas aller voir quoi? Attends, répète. Rigole. Enfin bref, j'ai mangé mes chats. Aujourd'hui, il n'y a rien qui sort correctement de ma bouche. C'est pas possible. Je vais manger mes sushis. C'est dur à dire hein, comme phrase. Ensuite, vous verrez ensuite qu'est-ce qui va se passer. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Changer. Oui, je vais me changer. Et alors ça, toutes les blogueuses qui font des looks et tout toute la journée, on se sait, vous vous changez tout dans les voitures. C'est horrible. Surtout que là, j'ai un jean. Je sais pas comment je vais me changer, comment je vais l'enlever. Parce que je dois remettre un autre pantalon. On va avoir un accident à force, nous. Hein. Ça va, il compte du bien. Moi, je sais pas comment je vais faire avec mon jean, ça va être très très relou. Oh, putain, mais. Tu t'es trompé? Ouais. Super ça! Bravo! Prenez des Uber, c'est mieux que les mecs. Allez, ma cocotte! Mais c'est une mamie, tu la laisses tra. Miguel, enfin. Ah, elle a le même pantalon que toi? Pas du tout. Bah, si. C'est pas le même que moi. Si. Non, mais déjà, d'où tu regardes les meufs? Déjà, qu'on se le dise là, d'où tu regardes? T'as regardé son cul? Oh putain, je vais me faire chier, putain. Je crois que je vais me mettre aux hommes. Je vais me mettre aux hommes. J'en ai marre des femmes. Bah mets-toi aux hommes hein, si tu veux. Vis ma vie de je dois me changer 4 fois par jour là. Ça se passe comment aujourd'hui? Moi ça va, ça me dérange pas, tu sais ce que je veux. Ça te dérange pas? Si tout le monde voit mon cul dans la rue, ça te dérange pas? J'ai vite teinté derrière. Ah oui, c'est bon. Non, c'est des semi-teintés. Du coup, on peut voir quand même. J'allais dire une caméra. Enfin bref, je vais me changer. Je retrouverai après avec ma petite tenue. Tchatcheuse. Ah laisse-moi, arrête de me filmer. Bon, vous avez pas vu comment j'ai fait, mais je me suis changée les gars. Et sachez que cette tenue je l'avais même pas essayée et au final j'aime trop le rendu. Je serais trop trop beau. T'aimes bien bébé? Lui il aime bien tout sauf mes chaussures. Regardez, j'ai des bottines Zara trop belles à talons, bout pointu. De toute façon il aime pas les bout pointus. Qui met des bourrons s'il vous plaît? Non et non, on met pas de bourrons, c'est moche. Arrêtez de mettre des bourrons si vous en mettez. Bref, de quoi il aime pas mes chaussures, mais sinon ça va, là, c'est joli quand même. Ouais. J'ai trop hâte. Quelle heure il est? 10 minutes. Enfin, il reste 10 minutes avant que je dois. Tu vas faire quoi? Il reste 10 minutes avant que j'aille. Comment ça, je vais faire quoi? Tu sais ce que je vais faire? Bah, dis-leur. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre. T'es quoi? Je suis jaloux. T'es jaloux? Non, je suis jaloux. Hein. On va voir Dadju. Dadju. On va voir Dadju pour l'écoute de son nouvel album et pour lui donner notre avis, poser des petites questions et tout machin. Mais je sais pas si on va pouvoir filmer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais j'espère parce que Dadju, je l'aime trop. Genre, c'est la première fois que je fais la fan. Je suis fan. Voilà, je suis fan de Dadju. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, t'es fan? Je suis fan, moi. Totalement fan. Si, c'est quoi qui dit? Dans ses chansons, tu le sais. Arrête de m'afficher. Oh, oh, ah. Enfin, bref. Bon les gars, si je peux filmer, je vous montrerai de toute façon. Je pense que oui, et dans tous les cas, sinon je ferai des trucs sur Insta et tout. Ah, j'ai trop hâte. À tout à l'heure.
de notre amour. Tiens, tiens, oh Django, yeah. Il veut nous éloigner. Donc il sort toutes sortes de foudées. Fais personne ta voix. Oh, c'est un bip pour moi. C'est un bip pour moi. Je serais le méchant de l'histoire. Mais reconnais juste une voix. Que pour nous c'est jaloux et gueule. Bébé tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Normalement je vous ai mis en exclu un de ses sons qui s'appelle Jaloux, qui nous a autorisé à filmer. Donc voilà, et c'est un de mes sons préférés. En fait j'ai trois sons préférés dans ces nouveaux sons. Et celui-là en fait partie, il est vraiment dingue. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Merci Harmonie, je sais pas si elle verra ma vidéo, mais on sait jamais, au cas où, c'était un amour. Et c'était vraiment top, tout le monde était super gentil. Et puis voilà, on était chez Universal, il n'y a plus du tout de lumière, tout va très bien. Tout le monde était super gentil et c'était oufissime. Voilà, là je suis un peu la tête dans le cul, donc je raconte absolument n'importe quoi, mes phrases n'ont pas de sens. Mais tout va bien. En tout cas, on est parti pour une nouvelle journée. Je ne pense pas que je vais vlogger aujourd'hui, je sais pas trop. Écoutez, si je vlog, de toute façon, vous aurez un vlog demain. Enfin, c'est un décalé à chaque fois. Donc voilà, je vous fais faire un gros bisou. Ciao la mif. Ah bon, j'ai l'impression d'être un Uber en fait. C'est une blague, alors que sachez que là on se déplace pour lui, même pas pour moi. Donc c'est son propre Uber et il arrive à se plaindre. Tu vois, c'est comme si moi je m'emmenais au travail et que je me plaignais de m'emmener au travail. Ça serait trop bizarre. C'est exactement ce que t'es en train de faire. Enfin bref les gars, je vous fais plein de gros bisous et on se